Bonjour, bienvenue sur OCG, la chaîne Spécial Scout. Aujourd'hui, un petit extra, comme je vous fais de temps en temps, un petit platoon avec Gotem, mon fiston à L4, Mister Home en AMD-178B. Et moi, je suis avec le scout russe, le T-52-2, le petit scout russe français. Alors, une partie top tier 6. Ou heureusement qu'on voit que la team ne peut plus faire de dommages, hein, puisque cette partie va être un reflet de heureusement qu'on peut plus s'entretuer. Allez, là on est pas mal, on va faire un petit peu de spot, faut faire attention, il y a un KV2, KV85 en face, le KV2 surtout, le KV2, hein, one shot, effectivement, on va dire ça. Allez, le 170, le KV85 est passé, l'AMD est descendu, je peux pas, je manque un peu de dépression, j'ai été spot, je me replie. Allez, la partie tranquille, ça commence, nos lourds sont partis côté lourd, ça fait une belle bataille là-bas au niveau de... Au niveau de sous le pont ou sur le pont, je sais pas trop. Moi je suis en mode j'attends un peu, j'attends que mes binos s'enclenchent, les voilà, tenez, un OI. Quand vous décidez de prendre la route la plus droite, elle gagne déjà 3-0. Alors plutôt un KV. Voilà, un KV ça pénètre. Alors l'alpha de ce T50-2, énorme, hein, 90 de dommages à peu près. Waouh, ça vaut le coup. Hein. Alors là ça sert à rien, c'est vu être rouge, il est vu à la fin. Un peu de track. Track s'il vous plaît. Ah, voilà, 3 obus naturellement avec un alpha de 90, hein. Il faut au moins ça pour faire le track. Hein. Là par contre ça a payé. Je n'arriverai pas à le percer, hein. Alors je vais essayer de reviser la track. Il n'y a pas besoin. Allez, c'est bon. 2-4, on en remonte un petit peu, hein. C'était mal parti. On va aller tranquillou voir ce qui se passe à ce niveau. On va un tout petit peu supporter. Alors ce petit char a une bonne mobilité, très bonne rapidité. C'était là une terreur à une époque quand on rencontrait des tirs beaucoup plus élevés. C'était vraiment un char de référence, hein. Une vraie véritable petite mitraillette. Son alpha était sûrement un peu plus impressionnant mais que là. Alors là j'y vais yolo yolo. J'oublie simplement que qu'avec 70 de dégâts, je vais pas péter un char comme ça. Je me voyais le finir à un coup, hein, voyez. Mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Allez, ça y est, mon fiston est là, il a pris un bon tir là derrière. Ah, il me fait un petit 240. Heureusement qu'on se fait plus de TK. Hein, ça aurait fait mal, là, hein. 240, il est mort. Nickel, 8-5, ça y est, on a repris le dessus. Par contre, leur AMD... Et sur notre map, notre cap en train de vouloir péter les artis. Donc on décide de baquer tranquillou. Il manque un petit peu de mobilité pourtant. Hein, le L4 va... Pourtant il était nerfé le L4. Aussi vite que moi presque. L'AMD 178 est assez rapide naturellement. Donc Gotem a décidé d'aller fermer au niveau du pont, hein, voilà. Et du coup, il y a le T150 là-bas, donc il veut aller taper. Et nous, du coup, on n'a pas eu besoin de moi pour péter le petit char sur la map. Donc je me déprécipite pour aller voir si je peux taper le T150 avec Gotem. Allez, ah mais ça, il y a mis un bon obus, mais malheureusement, c'est ça. Alors moi j'arrive, la grande farinée vient de tirer, bonjour c'est moi, hein. Ah, il me booste dessus. Petit 110, il a le petit canon quoi. Allez, je me précipite, 17. Et je me prends à un coup. Darty. On se précipite. Alors j'ai pas vu que mon chef était pété, j'ai pas fait gaffe. Hein. Tapis. En troisième bataille avec ce char, hein, depuis qu'ils nous l'ont offert. Ah, un AMD 170B qui me tire dessus. Un allié. Ah bon. Heureusement que j'ai encore
ma vie. Oh, une Arctique qui me fait 550 de dommages. Ouf, heureusement qu'on se fait plus de TK, hein. C'est énorme, hein. Allez, c'est parti, Mister Rome m'attend, le T28 ou T78, tout le monde est prêt, on peut y aller. On rechasse. Un archon, il me la vise. Et un deuxième. Et là, il me reste l'arty à finir. Et c'est l'arty qui me finit. Tant pis, c'est pas passé. Mais bon, voilà, partie sympa. Petite partie easy. On a bien remonté. Allez, moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau replay. Ciao, ciao.